Allez, bon allez, c'est parti pour un petit inside. Petit gameplay sur ce jeu trépidant. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça doit être de la. Bah, de toute façon, c'est la même génération que Limbo. Alors, Plague Death Inside. Donc ça a l'air comme Limbo, c'est-à-dire qu'on commence directement sur la scène intro. Ok. J'allais dire, tu te répètes. Tu te répètes. Bah oui, c'est le fond du stream 20 secondes plus tard, quoi. C'est coupé. Ah, c'est tout joli, ouais. Hop, petit garçon sans visage, donc il ne voit pas. Il est pas, il respire pas, il marche pas. On sait pas ce qu'il fait. Hey, petit moonwalk, même pas, non. Bon allez. Ah, il a presque le pantalon et. Ah, oui, hein. Il a un petit pantacourt de famille. Ouais, mais c'est ce qui fait l'effet Michael Jackson, c'est qu'on voit les chaussettes blanches. C'est ça. Et il n'y a pas de nez aussi. Voilà. Yeah! Bah, j'ai 30 secondes de retard, hein, mais. Ouais, bien, bien. Bon, on va quand même remarquer que le petit garçon n'a pas l'air hyper à l'aise et pas sûr de lui. Il est déjà courbé comme un petit vieux de 70 berges. Et lors de ses déplacements, son bassin ne bouge pas trop. Allez, petite glissade. Ouh là là! Quelle est cette ambiance bizarre? Serait-ce des gens déportés? Dans un grand camion? Et tu nous expliquais un petit peu l'histoire du jeu? Alors, l'histoire du jeu, je la découvre en même temps que vous, c'est-à-dire c'est un petit garçon qui est perdu dans la pampa, vous démerdez. Il n'a pas d'œil, pas de nez. Il a pas. Et il faut juste pas se faire gauler. C'est ça, c'est Michael Jackson petit. Non, Ah, c'est comme. je. Ouais. Non, tu ne sais rien de l'histoire en fait, tu démarres à l'instant quoi. Tu découvres D'accord. l'histoire au fur et à mesure. Donc, je pense là, ce petit garçon, il doit se démerder pour sortir de ce bordel. Court, petit garçon. Beau gosse, hein. Petit garçon, il y a pas d'accroche, mais il monte quand même. Hein. Il semblerait bien qu'on doit suivre le camion en fait. L'ambiance du jeu est vraiment vraiment fat. C'est vraiment bien fait au niveau des lumières et tout, c'est vraiment cool. Le niveau 3D, c'est juste ce qu'il faut quoi, pas plus, pas moins. Il n'y a pas 50 000 effets dans tous les sens et alors comme Limbo en fait, il y a toujours une des petites étapes de recherche, on doit se démerder à trouver des solutions pour passer des petits obstacles comme ça. Il n'y a rien à prendre avant, si ça là, je pense. Qui Ah, c'est du limbo avec plus de couleurs. Hein. ouais, c'est ça. Ah, graphiquement, il est vraiment cool. Hein. Oui, il a l'air joli. Hein. Oh, je vais me faire déglinguer, c'est cool d'ailleurs. Cours, Philippe! Wow. T'as envoyé le chien. Où les bâtards? Où les bâtards? J'aime pas trop ça.
Là, l'effet de la flotte au sol, là, c'est tout con, ces petits effets, mais ça fonctionne vraiment bien, quoi. Non, vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'on sent le petit garçon en moi qui a toujours essayé de fuguer? Qui trouve toutes les stratégies pour échapper à la lampe torche? Olé, les deux chevilles. Oh, j'aime pas ça. Dans les phares, mes lapins. Oh, je me suis pris deux bastos. D'accord, ok. C'est comme ça. Allez, mec. Aucune pitié, quoi. Deux bastos dans le petit garçon. Ah ouais, carrément, ouais. Un truc souvent. Ah ouais. Oh Philippe, on se calme, on se calme. Oula, 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 oula. Ça fait penser aussi à du Another World. Je sais pas si tu connais, c'est un super vieux jeu. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Du moins, ça se fout vraiment instant dans l'ambiance et tout. C'est hyper beau, quoi. Ouais, ça a l'air, hein. Il est tout simple, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Pas trop, pas. Il en manque pas, c'est vraiment tout ce qu'il faut au bon endroit, quoi. C'est vrai. Oh, des cochons morts. C'est pas ralouf ça, hein. Bon, on sent quand même que le petit garçon est dans la panique, quoi. Il est un peu dans. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas, mais de pied ferme. Le champ de maïs, on va voir des martiens. Pas de nez, pas de bouche, il respire par les fesses. Il vaut mieux pas qu'il s'assied trop longtemps. Hein. Va tomber sur un Quaker. Je suis le Quaker. Il va y avoir un boomer, tu sais. Pourquoi il y a des petits poussins? En fait, je suis Marilyn Manson, je vais les écraser. Sweet dream, I'll never fear. Pourquoi tous les cochons sont morts dans ce bordel? Pas les poussins. What the fuck? L'invasion des poussins, quoi. C'est que un poussin égale 2. Hein. Oh putain. Ah. J'essaie de pas être trop con.
Ouais. Dans ce genre de jeu, il faut jamais faire le truc qui paraît évident en fait. Donc il faut trouver un truc qui permet de pousser le bordel là-haut, la botte de paille. Je peux pas prendre des poussins là et leur tartille. Ah bah si. Venez petit poussin, vous allez me servir de projectile. Allez. Allez. On va faire du lancer de poussin. Petit petit. Allez, le petit dernier. Ce sera le premier à partir. Allez. Fais-moi ça. Oh les bâtards. Et venez là. Ah, loupé. Vous allez prendre les petits. C'est génial. C'est génial quoi. Je parie à CS, je veux plus des balles, je veux des poussins. Il y a un câble qui va sur le toit. Tendez ça. Oh non, on s'est crash. Je vais être obligé de sauter là-dessus. Cochon pois. Ou les deux genoux. Il est pas solide sur les appuis quand même. Presque. Bon. On prend des lents. Ah, c'est dégueulasse. T'as vu la taille des vers, mon gars? C'est pas des vers, quoi, c'est des serpents, quoi. Des anacondas, le bordel. Oh non. Ça? What the fuck? Bon, pour l'instant, je comprends toujours pas l'histoire. Ah oui, les verres. À part qu'on doit juste échapper à. On doit juste échapper à des messieurs pas hyper gentils. Et que. Il y avait des gens dans un camion qui avaient l'air de se faire déporter. Mais qu'est-ce qu'il fait lui avec un godimiché dans l'oignon là? Il a oublié son vibromasseur lui. Oh putain. What the fuck. Oh le cochon. Il est animé par le verre. Oui. Ah, c'est comme dans Limbo. Avec l'histoire des verres là. C'est quoi les petits garçons là? Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est hyper trash. Ah ouais. Vache. Bon, le cochon, putain.
merde. Ah yes. Control my mind. C'est vraiment comme Limbo, tu sais, t'as vraiment. Tu comprends pas ce qui se passe, ça se passe et tu. Tu subis l'histoire, quoi, du moins, tu comprends pas, quoi. Mais c'est vraiment beau, quoi. Je sais pas trop si ça se voit sur le stream, mais tu sais, l'image elle a un petit grain, tu vois. Elle est vraiment en mode old school. Ouh, ça sent le fenouil, ça. Pourquoi on se re... C'est des zombies quoi les mecs quoi. Il a les mains aimantées. Tum tac mon tukela mon bat. Quoi ça? Ah, c'est les oiseaux. D'accord. Ah. Des plaques. Ça sonne creux dessous. Ne serait-ce pas un passage? Tu. Et faire tomber la grosse caisse. Ouh, le coffre fort. Alors tu bon, ça c'est comme Limbo, tu vois, il y a des petits problèmes de physique. Pour moi, une planche de cette épaisseur là, deux planches de cette épaisseur là avec un déport de quasiment avec quoi, 4 mètres, 3 mètres, 3,50 mètres. Ça pète forcément. avec un coffre qui doit être vu l'époque en fonte renforcé je sais pas quoi. Il est en polystyrène en fait. Je me suis dit, je vais pas me faire troll, je vais sauter à côté. Et voilà. Ouh, ça glisse hein. On va faire sorte d'être pas trop con parce que. Wouhou.
Allez, un peu plus sur les appuis, gamin. Ah. Hé, Doug Life. What? C'est quoi cette boule là? Eh hey, succès déverrouillé, l'arme à gauche. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Je fais péter disjoncteur. Ah oh oui. Et du jus. Ça semble trop logique. J'adore le gamin suspendu par le crâne. Toui, toui, toui. C'est Sunshine. Magali, Magali. Ok, si en fait, si c'était... C'est le genre de truc qui me gonfle ça. Faudra jouer avec la butée. Allez, faudra jouer avec la butée, je pense. Parce que là, tu dois pouvoir partir un petit peu plus loin. Non, même pas. Ah si, attends. Peut-être que je referme la porte du coup. Parce que la porte est à égale distance des deux murs. Ok, un va se retrouver, l'autre va continuer. Et quand je vais me retourner, et bim, les deux sur les trucs. Bon, the next. C'est sympa, franchement c'est vraiment sympa ces petits jeux comme ça là. Ça change des gros jeux où ça pète dans tous les sens, sans intérêt. Oh, je crois que si je saute ça. Bon. Welcome to Seawood. Oh non. Est-ce que tu sors le salsifile? Oh non non, je voulais pas sauter, je voulais pas. Bah salsifie alors. Je suis pas encore là mais je pense. Merde. Je savais que ça sentirait le fenouil. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Ah ce niveau là. Je suis un peu Ça ressaute pas. Bon, ben non. Parce que je me suis dit, tu sais, peut-être qu'il y avait l'inertie et tout, tu vois, je vais pouvoir sauter en face là-bas, mais. Ouais. Non, ça marche pas. Non, c'est. Les genoux ce qu'ils prennent, mon gars. D'habitude, non. C'est assez dégueulasse, quoi. Hein? T'as l'habitude que tes genoux prennent, non? Ah, surtout quand t'es là quoi. A chaque fois que t'arrives, j'ai les genoux qui prennent. Est-ce que je peux sauter sur la chenon? Ah, qui? Alors attends. Avant de descendre, est-ce qu'il y a un truc en haut? Ouais, mais non. Non, non, on va pas continuer parce qu'il y avait un truc en bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en bas. Allez.
Le gamin il a du mal à marcher, mais t'inquiète pas qu'il va plus vite à... sur les chenaux qu'un marchand normal. C'est... Oh le Thug Life! C'est quoi le jeu? Inside? Inside? Obscure Fondation. J'ai pas. Eh non. Effectivement, je ne peux pas, hein. Il y a une bande qui. Il y a une bande qui tourne, je sais pas à quoi elle sert, mais elle est là. Mais c'est très dark ton jeu. Ah, c'est dark absolu. Mais il est vraiment sympa le jeu. Quoi, c'est avec des zombies, c'est ça? Pas du tout, non, c'est. Loin. On sait pas trop quoi, on sait pas l'histoire. Tu t'arrives, en fait, tu t'es un peu perdu. En fait, tu commences, c'est comme. Je sais pas si tu connais Limbo. Non. Bah, en fait, tu commences dans la forêt, tu commences le jeu, t'as le titre. Non! Ah et en fait, tu te retrouves. Je ferai une petite vidéo sur Limbo d'ailleurs. Et en fait, tu te retrouves dans la forêt, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, t'es un gamin et tu dois te démerder. Et tu comprends l'histoire au fur et à mesure que t'avances dans le jeu. C'est quoi l'histoire? Bah là pour l'instant c'est toi, petit... J'avance dans le jeu. Apparemment tu vois, du moins je suis un petit garçon. Et mais l'histoire de Limbo. Eh je vais pas tout raconter dans cette vidéo là. Mais dans Limbo c'est pareil, c'est un petit garçon qui est dans la forêt. Et il y a d'autres petits garçons qui sont dans la forêt qui essayent de le tuer. Et tu dois te débrouiller après. Olé. Mais je ferai une petite vidéo dessus, ça sera plus simple. C'est vraiment le même thème, hein, quasiment. Ah ouais, c'est vraiment la même chose. Même genre. Celui-là, il a l'air plus complet quand même, question animée, graphisme. Tout ah, ça, niveau quoi. Graphisme, ça n'a rien à voir, il est vraiment ouais, intéressant. Ouais. L'autre, il est vraiment en shadow, quoi, en ombre, en noir. L'autre, c'est quasiment du 2D, quoi. Ouais. Celui-là, il est quand même. Au niveau de l'environnement, il est quand même mieux fait. Ouais, sinon, ça veut PUBG ou. Bah, attends, j'avance encore un peu dans le jeu. Et why not? Faire un petit saut de famille. Ouais. C'est dégueulasse. Pourquoi ils sont... On va faire ça, ça évitera de me faire troll par la suite. Pourquoi les messieurs dames ils sont attachés par des câbles au sol? Quand j'allume le courant ils bougent, ils convulsent. Ah oui d'accord. Voici la raison pourquoi ils sont attachés au sol. Cette machine de la mort. C'est un gros taser. Putain, on dirait les tourelles dans le portal quoi. Je suis pas comme les autres. Une mouette? What the fuck? On est... Non! Non, Philippe! Rattrape-toi! What the fuck? Fais semblant d'être mort, fais semblant d'être mort! Ouais, nickel! Après Billie Jean, Twitter. I'm on a Twitter. Ooh.
peut les lire, on doit sauter, c'est ça? D'accord, ok. C'est glauque, c'est quoi ce délire là? Pourquoi il y a des messieurs dames avec des masques qui nous regardent? C'est vraiment strange le délire. Tu sais ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout stressant, il y a quasiment pas de musique, t'entends juste les battements des cœurs des personnages. Même pas la paix, rien quoi. Ah, il y a même pas une mouche, rien. Il y a des poussins au départ que tu te sers de projectiles, c'est assez rigolo. Je fais péter la carotide par un clébard, je sais pas pourquoi. Faut peut-être que je cours, non? What the fuck? Ouais, c'est ça. Faut que je cours. Dégueulasse, il se fait péter la carotide, les cervicales et tout, au calme, sans pression. Ouais. Je pensais que c'était sur mon premier saut, mais en fait, il faut que je troll le kleps. N'importe quoi ce jeu. Thank you.
suis un peu bloqué. Je n'ai ici pas quoi faire. Comment je peux accéder à ça tout en ouvrant ce bordel là? C'est con aussi, comme si on pouvait pas prendre la chaise et qui est juste là quoi. Ah non. Si c'est pas ça. Je ne sais pas. Du coup là je suis vraiment bloqué. Ça. Je suis trop court par rapport à là. Bon, je ne sais pas, donc je vais faire une petite pause sur Inside. Je ferai du coup cette vidéo en 2-3 parties. Donc petit jeu bien sympa, avec des énigmes de plus en plus complexes. Et là c'est vrai que là ça commence à être... Hop, voilà, on va s'arrêter sur ce cachage de genoux. Et je reviens donc sur... la partie 2 d'Inside dans la journée ou dans la soirée. Merci, à plus tard.